Stéphane Martin, alors directeur du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Bonjour. Oui, le musée du Quai Branly aujourd'hui s'appelle le musée du Quai Branly Jacques Chirac, depuis le mois de juin dernier, où il a fêté son 10e anniversaire. Et alors, pourquoi être président du jury alors qu'on est directeur d'un musée? Est-ce que c'est pas antique? En tout cas, c'est une écrasante responsabilité, surtout quand on succède à Abraham Sissoko, qui est un immense personnage. Donc je prends ça comme un grand honneur et comme une grande responsabilité. Je vais essayer de faire ça le mieux possible. Alors, quel est le lien entre un musée des arts premiers et un FIFO? Il y en a beaucoup. Vous savez, un musée aujourd'hui, c'est un monde. C'est à la fois des objets, mais de l'image fixe, de l'image mobile, du cinéma. Donc la cinématographie du Pacifique traite de situations qui nous concernent tous, le changement climatique, les transformations du monde, les mélanges culturels. Tout ça, ce sont des sujets qui sont régulièrement traités au musée du Quai Branly. Il se trouve que aussi j'ai une espèce de pente polynésienne personnelle très forte. J'aime et je connais le FIFO depuis longtemps. Donc voilà, on m'a fait l'honneur de me choisir comme président et ça me touche beaucoup, ça m'oblige et ça m'excite aussi énormément parce que je trouve que les films du Pacifique sont de plus en plus réussis, de plus en plus intéressants. Et encore une fois, ils traitent de sujets qui sont à la fois ceux du Pacifique mais qui de plus en plus sont ceux de la planète entière. Donc je pense qu'ils me concernent aussi en tant qu'Européen. D'autant qu'il y a eu des projections des films du FIFO de la sélection 2016. Oui, le Quai Branly a souvent travaillé avec le FIFO. Alors là, j'ai vu, moi, pour l'instant, aucun des films de la sélection 2017. J'ai vu le film qui a été primé l'année dernière en 2016, qui est un très beau film. Et j'attends avec impatience de découvrir la sélection 2017. J'espère qu'on fera un choix digne de cette sélection. Alors, pour info, as-tu déjà été président d'un jury ou jury dans justement une sélection, un festival de films? Jamais. Non, j'ai été juré à part des jurys d'examen, ce qui n'est pas très exaltant, j'ai été juré à Tatounésia, tu vois. Donc, c'est assez différent, mais c'était aussi très intéressant. Et puis, j'ai été membre du jury du FIFO à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais été président et je n'ai jamais participé à d'autres jurys. Donc, je prends ça avec beaucoup d'humilité, surtout quand je vois la litanie des prestigieux présidents qui m'ont précédé. J'espère que, encore une fois, je serai digne d'eux, un tout petit peu. Je ne me fais aucun souci. C'est gentil. Merci Stéphane Martin. Merci à toi.